Être profondément aimé par quelqu'un vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Connaître les autres, c'est l'intelligence, se connaître est la vraie sagesse. Maîtriser les autres est une force, se maîtriser soi-même est une véritable force. Un bon voyageur n'a pas de plan fixe et n'a pas l'intention d'arriver. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Lorsque vous vous contentez d'être simplement vous-même et que vous ne vous comparez pas ou ne rivalisez pas, tout le monde vous respectera. Le temps est une chose créée. Dire « je n'ai pas le temps », c'est comme dire « je ne veux pas ». Le meilleur combattant n'est jamais en colère. Parce qu'on croit en soi, on ne cherche pas à convaincre les autres. Parce qu'on est content de soi, on n'a pas besoin de l'approbation des autres. Parce qu'on s'accepte, le monde entier l'accepte. Un homme avec un courage extérieur ose mourir, un homme avec un courage intérieur ose vivre. Pensez à ce que pensent les autres et vous serez toujours leur prisonnier. Contentez-vous de ce que vous avez. Réjouissez-vous de la façon dont les choses sont. Quand tu réalises qu'il ne manque rien, le monde entier t'appartient. La nature ne se presse pas, pourtant tout est accompli. Au centre de votre être, vous avez la réponse. Tu sais qui tu es, et tu sais ce que tu veux. Le silence est une source de grande force. Arrêtez de penser et mettez fin à vos problèmes. La gentillesse dans les mots crée la confiance. La gentillesse dans la pensée crée la profondeur. La gentillesse de donner crée l'amour. La musique dans l'âme peut être entendue par l'univers. Répondez intelligemment même à un traitement inintelligent. Pour atteindre la connaissance, ajoutez des choses tous les jours. Pour atteindre la sagesse, enlevez des choses tous les jours. Si vous essayez de le changer, vous le ruinerez. Essayez de le tenir, et vous le perdrez. Ne rien faire vaut mieux que d'être occupé à ne rien faire. Savoir que vous ne savez pas est le meilleur. Penser que vous savez quand vous ne savez pas est une maladie. Reconnaître cette maladie comme une maladie, c'est en être libéré. L'eau est la chose la plus douce, mais elle peut pénétrer les montagnes et la terre. Cela montre clairement le principe de la douceur surmontant la dureté. Le sage est celui qui sait ce qu'il ne sait pas. Si vous ne changez pas de direction, vous risquez de vous retrouver là où vous vous dirigez. La connaissance est un trésor, mais la pratique en est la clé. Ne donnez rien au mal à opposer et il disparaîtra de lui-même.
Pour comprendre la limitation des choses, il faut les désirer. Si vous vous rendez compte que tout change, il n'y a rien à quoi vous essayerez de vous accrocher. Si vous n'avez pas peur de mourir, il n'y a rien que vous ne puissiez réaliser. Accomplissez mais ne vous vantez pas, accomplissez sans montrer, accomplissez sans arrogance, accomplissez sans saisir, accomplissez sans forcer. Arrêtez de partir et vous arriverez. Arrêtez de chercher et vous verrez. Arrête de t'enfuir et tu seras retrouvé. Je n'ai que trois choses à enseigner, la simplicité, la patience, la compassion. Ces trois-là sont vos plus grands trésors. Votre propre avenir positif commence en ce moment. Tout ce que vous avez est en ce moment. Chaque but est possible à partir d'ici. Celui qui connaît les autres est sage, celui qui se connaît est éclairé. Il n'y a pas de plus grand danger que de sous-estimer son adversaire. L'amour est une décision, pas une émotion. Si vous corrigez votre esprit, le reste de votre vie se mettra en place. Le succès est aussi dangereux que l'échec. L'espoir est aussi creux que la peur. La santé est le bien le plus précieux. Le contentement est le plus grand trésor. La confiance est le meilleur ami. Les nouveaux départs sont souvent déguisés en fins douloureuses. Celui qui sait que ça suffit, en aura toujours assez. Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. Si vous vous souciez de ce que pensent les autres, vous serez toujours leur prisonnier. Nous vous remercions pour votre visionnage. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner puis à partager notre contenu avec vos proches. À bientôt pour une prochaine vidéo.